On poursuit la série d'invincibilité malgré ce point du match nul. Oui, on prend 2 points encore. Un point, c'est ça nous fait avancer. C'est dommage que de ne pas avoir pris 3 points à domicile. Néanmoins, sur une série des 3 matchs en une semaine, ça fait 7-9. C'est pas négligeable. On est sur 8 matchs sans défaite. On est sur 4 matchs sans prendre de but aussi. Donc il y a des choses intéressantes. Maintenant, on a préféré prendre 3 points ce soir. Qu'est-ce qui a manqué, selon toi? Un peu de folie. Je crois que c'est vrai que de voir un 3e match en une semaine, c'est un peu difficile de mettre un peu de rythme, etc. Et puis, en face aussi, c'est une équipe pragmatique comme nous, donc ne prenez pas beaucoup de risques. Bien en place défensivement, donc on s'est un peu heurté à leur bloc. En deuxième mi-temps, on a essayé d'un peu plus les gêner. On a eu quelques situations, mais rien de fou. C'est dommage, mais on prend même 1 point, donc c'est bon. C'est la trêve. Quel bilan tu fais là de cette partie de saison? Très très bon bilan. On avait 5 matchs avant, on n'avait que 5 points. Aujourd'hui, on a 18. Donc, on a fait 13 points de prix en 5 matchs. Et c'est un très bon bilan. On finit à domicile par un nul, c'est ça qui est un peu rageant. Mais si on compte ce qu'on a fait, c'est très intéressant. Il va falloir bien se reposer, pour bien travailler, capitaliser après. On a un gros mois d'octobre avec 3 matchs compliqués. Là. Et après. Et après, on va continuer sur ce championnat. On s'est remis en selle, on est à peu près bien placé, on est dans les temps. Donc voilà, on ne doit pas perdre ce qu'on est en train de faire et continuer notre série, notre lancée.